une fois qu'un ami baise sa femme, au lieu de s'en émouvoir, il lui dit mon Dieu, une amère me réclame, veux-tu la sentir ce soir? Compte absolument sur toi pour la distraire, amusez-vous tous deux. Je te considère, tu le vois comme un frère, mais surtout toi, sérieux. C'est effarant, c'est éclairant, autant ma vie c'était bien différent. Richard sort de Lyon, sa reflète en excursion, et son plein de suspicions. À l'objet convoité, il faisait adapter un verrou de sûreté. Et quand un petit amant osait incidemment amorcer un petit colloque, il se prenait dans les fils de fer barbelés. C'était une impressionnante. L'esprit est faible aujourd'hui, la chair est prompte. On ne respecte plus rien. Il n'est plus d'amis ni d'amitié qui compte, de parenté ni de lien. Sous prétexte qu'elle vous a rendu loupage et qu'on ne le sait pas, on ne se gêne plus pour faire du gringue à la femme du copain. C'est révoltant, c'est si vivant, on n'était plus fort et son conviguetant. Rappelez-vous, mon cher, le roman de Versailles, adorant la femme d'Albert, comme c'était son ami, il ne s'était pas permis de connaître la famille. Voyant, pauvre garçon, que la situation se devenait trop pénible, il dit, mon cher Albert, pourrais-tu-moi des revolvers? Ah, mais c'est une autre époque. Je sais, j'aurais qu'à dire ma foi au siècle où nous sommes, le genre humain sera molli. On ne rencontre plus que des semblants d'hommes et des femmes en simili. Pour plaire, il faut être plate comme une punaise, rapportez-vous ce qu'on a. On ne s'assoit plus que sur des hypothèses, on n'a plus fini de ça. Plus de séance, c'est le néant. Je dirais même que c'est le néant. Il fallait au vivant, aujourd'hui tu revins, tu crierais sûrement à masse. Les femmes d'aujourd'hui, en quoi donc c'est qu'on sourit, on dirait des parapluies. Mais la monde avait des hanches, des mollets, des matières comme un roc. Mais il se montre fier, c'est un marois vrai derrière. Oh oui, mais c'était une autre chose.